Eh ben, tellement de questions. Nouvelle info sur la carte. Donc maintenant on va aller là, c'est Eden. Plein de questions maintenant, plein de... Est-ce qu'on va trouver des réponses? Ça, on verra ça pour la fin. Mais voilà, on va peut-être trouver la réponse aux mutants et pourquoi ils existent. Pourquoi ils existent. Amande, on sait beaucoup. Maintenant, on rentre à la maison parce qu'on va tout récupérer. Et normalement, voilà. Is complete, stalkers. You returned Hammond safe and sound. Our machines will hum with new life. The Ark is forever in your debt. Thank you. My little birdies have told me. Hammond thinks the fabled Eden lies beyond the Forbidden City. And you are thinking of going through the city to get to Eden. Have I taught you nothing? There is no Eden. And even if there were, entering the Forbidden City is impossible. That is the city where the Red Plague started. The ancients in charge thought they could quarantine the people by building a giant wall that covered the entire city. It stands to this day, impenetrable. You should stay at the Ark and heal your wounds. No more adventures. Goodbye, stalkers. Il s'est énervé maintenant. Yeah, I'm Delta. What can I do you for? Regardez comme il est classe. Maintenant on dirait presque un hack, pas un M16. Ah, je sais plus le nom de ces armes. Mais bon, voilà. On a du feu. Ouais, le feu c'est bien. Je suis en train de réfléchir comment on va procéder maintenant pour la nouvelle zone. Welcome. If you want zone gear, I've got it. Alors, à la limite, j'aurais pris le GJR là pour un peu montrer. Genre le tir, comment ça marche, honnêtement je suis pas fan du truc, enfin, j'ai pas vraiment envie de le prendre parce que ça, c'est un peu de l'argent gâché. Mais on va attendre parce que on risque d'avoir besoin d'acheter des grenades. Surtout des grenades EMP, si vous voulez voir ça. Donc on va rien prendre pour le moment, on va rien prendre. You look thirsty. Have a seat. Till next time. Tout le monde est bien équipé en plus, c'est cool, je suis content. Est-ce qu'il y a des mutations achetées? 10, 16. 18. Pharo. Les yeux ils s'allument et tout, ils prennent feu. Elle a beaucoup de vie elle aussi hein, maintenant. Honnêtement, je sais pas si on va atteindre un niveau plus que 60. Je sais que moi, je crois, ma première fois, on va retourner là. Je crois que j'ai atteint le niveau 61 et j'ai fini le jeu, je crois. Je sais plus trop. Un truc comme ça. On a la zone là-bas. Pour le moment, on reste avec eux. On va peut-être prendre Dux à la place de l'autre, je sais pas. Ah, maintenant, il a quand même une meilleure arme. Hein. Plus stylé, ça fait plus commando. C'est vraiment en commando en fait sur lui. Sur l'équipement que je viens de lui mettre et tout. Là. C'est là-bas. Alors. Vu qu'on y va maintenant, je vais un peu vous expliquer ce qui va se passer.
On va devoir traverser une zone où il y a énormément de robots. Le truc, c'est que... vous allez voir. Vous allez voir. J'ai tout pris, là. Ouais, c'est bon. Ok, go. C'est par là. Au début, j'avais pas bien vu, en fait. C'est un peu bizarre, la façon dont on passe. J'avais pas l'impression qu'il y a un passage, en fait. Moi, je vois que les racines nous bloquent, en fait, le chemin. Mais on peut passer. C'est un peu étrange. On va prendre elle, comme d'habitude. Alors là, on est dans la... Dans la tombe des anciens. Les tombes des anciens, en fait. Vous voyez qu'en haut à gauche, là, il y a... Merde, je ne peux pas vous montrer. Il y a tout un mur. Donc ça, c'était pour... ils voulaient empêcher, en fait, les, l'épidémie, etc. Et maintenant, donc, cette zone, elle est surpeuplée de machines. Parce que Mimir est pas loin, en fait. La base de Mimir, où c'est qu'on doit aller. On va peut-être trouver le... pourquoi... les mutants existent, etc. Comment ils ont été créés et tout. Mais ça, c'est surpeuplé de robots. Alors, vous allez trouver des nouveaux robots. Vous allez les voir dans quelques minutes. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. C'est surrounding the entire city. They were trying to keep people out. No. They were trying to keep people in. The red plague started in this city. Spread fast, got out of control. So the powers that be built a wall around the city to quarantine it. To stop the people inside from infecting the world. Doomed them all. That was a long time ago. The people are still scared to go in, that's why they call it the Forbidden City. Excuse me, if the plague's in there, why are we going in there? Hammond said the Nova Sect were moving around the city. We cut through the city. We get to Eden first. Voilà, nous on va essayer de rattraper la secte en fait de Nova. All these people forced to stay in the city and die from the red plague. Alors il y a des mimires comme ça. Et il y en a des un peu plus gros. Vous allez voir ça. Il y a des mimires aussi comme ça. C'est par là. Il y a des robots de police. This is an old quarantine outpost. Back when they thought they could control the spread of the red plague, before they built the wall. You think our world's garbage? Their world was a nightmare. Eden's starting to look real good right now, isn't it? Let's keep moving. Alors par contre, je risque de mettre la carte et de quitter la zone si jamais on se retrouve bloqué en fait par les robots. S'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de débris surtout. Ah, donc c'est très dur à se déplacer. Donc si jamais on est dans la merde et qu'on est bloqué, au lieu d'essayer de fuir, on va se téléporter. On va se téléporter. Ouais, là il y a un coffre là-bas, faudra l'ouvrir. Je veux d'abord passer la zone, puis après peut-être qu'on reviendra la faire. On a déjà fait une partie de cette zone. Vous avez vu un peu, il y a déjà beaucoup de robots. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà, maintenant on est dans la cité interdite. On a passé les murs. Citizens, present your ID bands for verification. Are we supposed to talk to this machine? Let's just try to get through the city peacefully, with no trouble. Your request for emergency quarantine has been granted. Please put down your weapons and prepare for termination. Slow down, Metal Man. No termination, okay? Okay, I don't think they're talking to us. They're talking to the people who died here. Les robots sont fous, hein. Les robots sont complètement fous. Split up.
Donc on va devoir passer d'abord ce... ce barrage, il y a trois robots à passer. Feu. Grenade de MP, très bien. Alors attendez. Lui vraiment, il est pas vraiment utile. Donc on va mettre, on va prendre Duck à la place. Elle est où l'arme? On va prendre Duck parce qu'il a ça. Elle aussi, elle a ça. Ce qui va nous être utile. 4 et 3. 3 et 4. 3 et 4. Ok, il n'y a pas mieux. Toi, t'as ça, t'as critique. Et toi aussi, on va t'immuniser contre le critique. Voilà, tout le monde a des grenades de MP. Très bien. On va pouvoir faire tomber et tout, c'est cool. Voilà. Je sais pas si on est bien placé. Là on a du sang, là on a du sang, c'est très bien. Ok, c'est bien, bien. On a un 36 là, on a un 26 là, on a un 36 là encore. Après toi, tu as... Ok, ok, mais bien. On a toujours... Ah, putain, la charge du sanglier qui n'est pas prête. Ça, j'avais pas... Je pensais qu'elle était prête. Ok, on a 100%. Je pense qu'on va devoir utiliser une grenade. Honnêtement. Je pense qu'on va devoir utiliser une grenade. Mais on va en stopper deux avec l'habilité de stopper les machines. Et après, on va utiliser la charge pour faire tomber le troisième. Okay, pas de champ de vision sur celui-là. Ok, y a pas de problème. Là, champ de vision sur lui. Vision sur tout le monde, ça marche. Ouais, je pense que go. Give up now and I'll go easy on ya. Yes! Ah, très bien. Oh, la charge est pas prête. Oh la vache, la charge est pas prête. Je pensais qu'elle était prête. Ah, c'est chiant hein. Là, on va se mettre là. J'essaie de voir si on peut pas le...
Ok, elle le voit pas, pas grave. Hors de portée. Merde. Ok, comme ça là. Ok, deux, très bien. Donc on peut finir l'autre tranquillement. You don't know who you're messing with. Voilà, très bien. On a balancé une grenade. Honnêtement, je suis un peu deg, j'aurais dû regarder avant. Ça m'induit en erreur le fait des crânes. Hein. Les crânes avant, on pouvait regarder les habilités si elles étaient prêtes ou pas. Dans le menu en fait, on pouvait les voir. Et j'ai pris l'habitude de regarder dans le menu moi du coup. Là on peut plus, on peut plus. Il faut complètement les regarder en fait quand on est dans le jeu comme ça. Enfin pas dans le jeu mais je veux dire dans le monde en exploration. Un peu chiant. Un peu chiant. Maintenant, c'est cette zone. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est très dangereux. Alors ces trucs-là, ils vous voient avec la lampe, en fait, la torche. Mais le truc, c'est que des fois, il fait une impulsion. Et si vous êtes détecté par l'impulsion, il va envoyer des petits qui volent. Et ces deux petits qui volent, en fait, vont aller directement à l'endroit où vous avez été détecté et ils vont patrouiller en fait, c'est extrêmement chiant. Donc c'est extrêmement dangereux cette zone. Et c'est pas tout, parce que sinon si ça serait tout, ce serait simple. C'est que les... Si vous attaquez un robot, en fait ils vont se mettre en route, ceux-là là, avec l'impulsion, ils vont se mettre en route. Donc je sais pas comment ça fonctionne, mais apparemment ils ont... Apparemment, ils sont connectés avec les robots de police. Ils peuvent savoir s'ils se font attaquer et détruire. Donc, il ne faut pas les attaquer. Ouais, il ne faut pas du tout les attaquer. On va attendre qu'ils passent. Sinon il va faire une impulsion et on va être trop près. Comme j'ai dit, sinon on fait la carte et on se casse. Très important de faire ça. Grenade, bien sûr. Oh, on n'a pas rajouté là. On va monter, il n'y a rien là. Bon, je visite un peu, normalement je passe. Alors, ce que je vais faire pour cette zone en premier, je pense que je vais la passer et ignorer tout ce qui est robot et tout ça. Je vais complètement les ignorer. Et on va aller à la dernière zone du jeu, quoi. En gros. Ça me fait peur quand il tombe comme ça. Ok, on y va. On va aller directement à la dernière zone du jeu. Et je pense qu'on va finir le jeu et après revenir sur cette zone. Ou alors je la fais avant de finir le jeu, je sais pas. On verra ça. Parce que vous voyez, c'est assez simple de passer.
Mais le plus intéressant, ça serait de les détruire. De tous les détruire, tous les détruire, évidemment. Ce serait plus fun. Alors là, le robot Shaq, là, qu'il était en train de parler. C'est une zone, il y a un... Il y a le dernier, en fait, artefact du jeu. Il est là dedans. Les robots à l'intérieur, en fait, ne sont pas méchants. Par contre, si vous prenez les artefacts, vous allez être considéré comme des voleurs. Et les robots, en fait, vont donner l'alerte. Et du coup, bah, tout le monde arrive. Voilà. Toute la map arrive. Donc, voilà, ça finit pas vraiment bien. Donc, faites attention à ça. Et là, je crois que ça y est, on est là. The Nova Sect got here first. Stay alert. Ouais, on est à la Nova Sect. Alors, il y a beaucoup de monde. Maintenant, les chasseurs ont 26 au lieu de 24. Donc là, il va falloir 2 crits, par contre. Là, je dis pas des conneries cette fois. Et le truc, c'est qu'ils ont des très très bonnes armes. Donc, il va falloir faire attention. Il va falloir, franchement... Power. I feel the gates breaking. The secret numbers call to us. My children, listen to the words of Plutonia. We stand before the gates of Eden. Inside lies the sacred numbers. The numbers will awaken the weapon. And cleanse the zone. Destroy the gates. Enter Eden. Find the sacred numbers. Cleanse the zone with fire. And bring the ancients home. Yay. En fait, elle a un problème. Elle n'arrive pas à rentrer dans Eden. On verra ça plus tard. Parce qu'en fait, le scanner de Eden, on verra ça plus tard. Faut qu'il scanne des mutants en fait. C'est pour ça qu'elle n'y arrive pas à rentrer pour le moment. C'est pour ça qu'elle est bloquée et du coup nous on va s'en occuper. Mais je disais que là il y a beaucoup de gens déjà. Et les mecs ils sont très bien équipés. Ils ont des armes en fait qui font très très mal. Ils ont des Elysium pour la plupart. Et du coup ça rend la chose encore plus dangereuse. Et là il faut vraiment les tuer. Il faut vraiment le faire le plus possible pour les prendre un par un en fait. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, parce que comme j'ai dit, ils ont 26 HP maintenant. Donc, il faut au minimum 2 crits. Et aussi, quand on ira attaquer les robots, je pense que vu que ça sera plus ou moins la dernière zone, on ira... Ah, eux, on peut se les faire facilement. Oh putain, ça fait peur. On pourra prendre les parties qui... attendez, oh, il est à côté du tank. Les parties des accessoires là, des armes qui neutralisent les robots, on les mettra sur nos armes principales. Et du coup on va pouvoir les avoir, les robots, facilement je pense. Qu'on fera l'autre zone. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, non? Genre ces trucs là, genre 50% de chance de désactiver les robots, tout ça. On les changera, on les mettra sur nos armes principales. Du coup, ça se passera mieux. Alors on a 2 robots. Est-ce que toi t'es assez prêt? Ouais. Ok. I am the beautiful weapon. Ouais, très bien. Alors je pense qu'on peut en détruire un sans que l'autre nous voit, mais je suis pas extrêmement sûr de ça. Donc du coup on fait les deux en même temps. Ah
Voilà, très bien. Vu que je suis pas sûr, on fait les deux en même temps. En plus, c'est des robots, c'est assez facile. Voilà, très bien. Aussi, je crois qu'on avait gardé des chiens dans une zone, etc. C'est surtout pour cette zone-là. Désolé, ça parle en même temps, je suis perdu dans ce que je dis. C'est surtout pour cette zone-là, c'est ce que je voulais dire. Car vous allez surtout avoir besoin d'utiliser vos habilités pour faire des critiques, pour être sûr de tuer quelqu'un, parce que 26 HP, c'est énorme. Et du coup, les chiens peuvent aider pour ça. Qu'on a laissé de côté. Oh merde. Ça peut aider. Donc voilà. Ça peut drôlement aider d'avoir quelques ennemis qui traînent en fait. Dans les autres zones pour aller reset nos habilités. On a 91 de choses encore. On peut même prendre une autre nouvelle arme et l'augmenter au maximum. Je vois pas trop ce qu'on pourrait augmenter. Parce qu'on a franchement, comme j'ai dit, on a plus ou moins les meilleures armes. Be a lot prettier without the Nova sect around. We can't take them head on. Donc vous voyez ce qu'ils ont, ils ont des Elysium et tout ça. Après il y a la grande prêtresse Plutonia. Donc elle, il faudra la tuer. Il y a un Mimir au fond, on l'a vu. On l'a aperçu vite fait tout à l'heure. Ouais, il est là-bas, à gauche. Il y a un robot médic pas loin. Et eux par contre ils bougent pas, donc il va falloir les combattre ensemble. Donc ça, il faudra se préparer pour ça. Et il y a un tank aussi. Ouais, il y a au moins 2, 3 avec le tank. 4 Mimir, et après il y a le Pyro. Le Pyro ça peut aller, mais il faut faire du crit. Il faut faire du crit pour le tuer. Sinon, bah, ça passe pas. Ah, le robot, il est là-bas. Ah, le robot, n'essayez pas de le tuer, parce que le robot, en fait, est trop près du Mimir. Et le Mimir va s'activer. Donc, ça, c'est un peu dangereux. Le Mimir va s'activer. Après, je crois que le Pyro est bon. Le Pyro, vous pouvez le tuer. Y a pas de problème. On peut se mettre en hauteur. Je crois qu'on a un 100% si on se met en hauteur. On est assez proche. Faites voir un peu. Non, 75. Là, si elle s'approche, ok. Toi aussi, il faudrait que tu t'approches. 100%. Et après, il reste plus que toi. Ouais, 100%, 100, ouais, ça va. Ouais, on peut le faire, on peut le faire. D'abord faire elle, parce qu'elle va se faire voir sûrement.
Give up now and I'll go easy on ya. Gotcha. Voilà. Lui il est en hauteur, donc à la limite il s'en fout qu'on se fasse voir ou pas. Mais vu qu'il est en hauteur, il va faire du crit à 100%. Yeah. Ah, très bien. Yeah. Sweet takedown. Parfait. Let's go. Vous voyez, robot infirmier, lumière. Voilà. Là, il n'y a plus rien à toucher. Là, c'est fini. Il n'y a plus rien à toucher. Il n'y a plus rien à faire. On peut pas les prendre. On peut pas les prendre un par un. Il va falloir tous les combattre. C'est obligé. Maintenant, il y a eux. Il y a lui. Un mec en hauteur en face de nous. Il y a un mec derrière avec un tank. Et il y a le mec qui fait les va-et-vient là, au centre. Donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Surtout de les prendre un par un en fait. Alors vous pouvez le faire, je l'ai fait. C'est pas facile. Après bon, il reste le tank. Ça vous êtes obligé de le tuer. Le tank avec l'autre, là vous êtes obligé de le tuer. Mais c'est possible de se faire eux là un par un. Parce qu'ils sont pas assez proches les uns des autres. Mais il faut avoir un peu de chance. Il faut faire des critiques. C'est ça le truc. C'est qu'il faut faire complètement deux critiques minimum. Sinon c'est mort. Sinon vous avez toute la planète sur la gueule. Donc voilà. En tout cas moi je vais faire une pause là par contre. Donc on va rentrer. Mais voilà, ce sont les dernières zones qui restent. Donc là il y a des robots, là aussi il y a des robots. Et là c'est la dernière zone. Et ça c'est la fin. Donc voilà. Je sais que ouais, on a des chiens là je crois. On y retournera quelque part, je sais plus trop. Il retournera. Mais voilà, là on est vraiment à la fin du jeu. You defy me. You defy your elder. I told you not to go through the Forbidden City. The city is a tomb. The rat plague poisons its air. Strange beings patrol its grounds. Perversions of the ancients. And still you go. Still you seek this ridiculous Eden. There is no Eden. Stop this foolishness before you get yourselves killed. Il est pas content. Farewell. Remember your elder's guidance. Alors je suis sûr que vous pouvez déjà vous... Imaginez. No matter what the Elder says, there is life beyond the Ark. You see those giant machines floating in the sky lately? Where do you think they come from, huh? Vous pouvez déjà imaginer pourquoi il veut pas qu'on aille voir ce qu'il y a dans Eden. C'est assez facile de deviner pourquoi. C'est pas très dur, mais... Ouais, cette arme, peut-être envie de la monter, je sais pas. Ouais. Mais... Take it easy. Mais voilà, donc là, on va en apprendre plus après. Welcome back to Iridius. Safe travels. Plus grand chose, on est 61, je crois, au niveau 63 maintenant. Tout le monde a des grenades. Oups, oh, désolé, j'ai cliqué en dehors du jeu, pardon. Il y a la souris n'est pas log dans le jeu, c'est un peu emmerdant. 13, là on a 8 points, là on a 5 points, 8 points, lui là, ouais non on va attendre pour le dernier point de vie. Mais ouais, je pense qu'on ira tester de les tuer en silencieux pour vous montrer le plus possible en fait comment tuer quelqu'un, enfin comment tuer le petit groupe qui reste en silencieux. Ça risque de merder. Donc on avisera, mais voilà, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Enfin, pas que prévu, ça va être plus compliqué que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais normalement, avec ces trois armes-là, on devrait pouvoir y
y arriver. Faut un peu de chance par rapport aux habilités, faut qu'elle touche. Et la charge du sanglier aussi va être utile. Donc voilà. On continuera la prochaine fois.